Tous les soirs, Félix Lubrise vous présente sa chronique. Des livres pas comme les autres, une manière originale de découvrir la littérature. Entre coup de gueule et coup de foudre, Félix Lubrise au centre de la vie culturelle. Bonjour, écoutez, voilà, aujourd'hui je vais vous présenter un livre extraordinaire qui s'appelle « De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête ». Je vais vous présenter ce livre avec ma copine Olivia, qui est très occupée. Bonjour Olivia. Ça va? Tu es en forme? Ouais, en forme. Voilà, ça c'est bien. Alors, c'est une histoire très simple, mais dramatique. La petite taupe est effrayée parce que quelque chose lui est tombé sur la tête. Yeah. Et alors, ici, tu vas voir, et alors il y a un passage fabuleux, c'est le fameux passage avec le cheval, que je vais vous lire, que je vais lire à Olivia également. Hé, le cheval! Est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Moi? Mais non, voyons! Moi, je fais comme ça. Pouf, 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 pouf. Il bombarda l'air de 5 gros crottins. La petite taupe fut drôlement impressionnée. C'est bien, c'est drôle, hein? Voilà, vous avez vu? Les enfants trouvent ça drôle. Et donc, je vous recommande ce superbe petit livre. Merci, au revoir. Au revoir, Olivia. Au revoir, Olivia.